Toute une vie, on est persuadé d'appartenir au sexe auquel on a toujours cru appartenir. Et puis, soudain, on n'est plus sûr de rien du tout. Dans les premiers temps, l'identité sexuelle est d'abord définie par l'entourage proche, lequel recourt assez naturellement à sa subjectivité. Je suis une fille parce que un médecin l'a dit. Ma mère en voulait une. J'avais des organes génitaux féminins. On m'a donné un prénom féminin. On a laissé pousser mes cheveux. On m'a acheté des robes et des collants. Aujourd'hui, il y a en moi un mâle qui demande à s'essayer. J'ai donc réuni pour lui quelques catalyseurs connus. Pneus, entrecôte, femme nue et perceuse. Laissons-les agir au contact les uns des autres et attendons voir. Je ne suis jamais sentie aussi entière de toute ma vie. Faut que je fasse un truc.